Bien bonjour, alors aujourd'hui on va parler de ces seniors qui s'engagent. Vous êtes nombreux, retraités ou bientôt en situation de l'être, à nous appeler pour vous engager dans le monde de la solidarité internationale. Vous avez des profils confirmés puisque vous avez une carrière professionnelle derrière vous, vous avez du temps libre et vous pouvez vous engager bénévolement. Donc vous êtes des candidats très intéressants pour bon nombre d'associations humanitaires ou d'ONG internationales. Cependant, avant de vous engager, on vous recommande de vous renseigner évidemment sur les ONG dans lesquelles vous voulez vous orienter, mais aussi de vous former, d'adapter vos connaissances à ce contexte qui est assez particulier, il faut bien le dire. Alors vous avez deux options. Vous pouvez vous engager au sein d'une ONG internationale qui fonctionne bien et qui a besoin de bénévoles à l'international. Là, ils vont rechercher un profil avec des compétences spécifiques qui correspondent à votre parcours professionnel. Et puis, vous avez une deuxième possibilité, et bien, c'est de créer votre propre association. Mais là, évidemment, il faudra faire attention à ne pas s'engager avec trop de charité ou de solidarité, mais avoir une posture plutôt professionnelle. Donc, une formation est souvent nécessaire pour adapter sa posture et être efficace sur le terrain. À l'Institut de coopération internationale, nous vous proposons des formations de courte durée, 2 jours, 5 jours, 10 jours, articulées avec des missions d'application sur le terrain qui vous permettent d'acquérir les outils, en tout cas les connaissances nécessaires à votre engagement dans une retraite solidaire. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui s'affiche, on sera très heureux de vous apporter toutes les informations nécessaires à votre engagement solidaire. À très bientôt à l'Institut.